Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous capables de rejoindre encore avec le mouvement de prière que nous gagnons dans l'émission à travers la Bible TV. Donc, nous connaissons le Seigneur, t'es fait grâce, il t'es fait du bon boulot. Qui travaille pour nous permettre que nous réveillions. C'est lui-même qui dit ça, oui. Ses paroles qui dit ça. La veillée sur nous, il va jamais cabichard, il va jamais dormir. La veillée sur nous, même chant. Il y a un maman, il y a un papa responsable. Eh bien, le bébé a dormi. Il y a même veillé, il va dormir, non? Il a regardé. De temps en temps, ils font coup de tête. Ils ont checké sur le bébé, ils ont veillé sur lui. Eh bien, bon Dieu, ils considèrent nous comme bébé parlé, comme monde parlé. Il dit, c'est un Dieu responsable. Il a veillé sur nous. Il fait nous des veillées. Si nous voyons debout, si nous voyons encore réveillés, eh bien, c'est grâce, bon Dieu. C'est parce que il a veillé sur nous-mêmes. Et je tiens à nous compter encore pour nous rencontrer, pour nous prier ensemble. Et vous connaissez à la base de toute prière, de toute communication avec Dieu, il y a sa parole. Ces paroles, mon Dieu, qui montrent nous qui vient pour nous prier. Ces paroles, mon Dieu, qui montrent nous. Qui j'en nous capable de toucher cœur, bon Dieu, qui j'en nous capable d'avoir accès à la présence, bon Dieu, parce que nous-mêmes, avec capacité par nous, nous ne sommes pas capables de vivre. Et c'est ça que fait demander pour prier dans le nom de Jésus. Jésus même demandé ça, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est ça que fait, vous devez adresser prière à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, prière va exaucer, bon Dieu va attendre, c'est Jésus qui pond, c'est lui-même qui porte là, c'est lui-même qui chemin là, car bon Dieu lui dit ça clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie, ni elle ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui dit ça. Je dis, on a un texte en Marc chapitre 9, verset 21, il vient dans verset 24. Il dit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et donc, c'est ça. Nous gagnons aujourd'hui, hein? Nous t'adorons à approcher de Dieu avec une foi ferme en Christ pour obtenir le secours de Dieu. Nous avons besoin de gagner en conviction et en la foi qui ferme, faut croire que bon Dieu a fait. Et écoutez, nous joignons ça, c'est dans une déclaration, un papa ça, qui a cherché secours pour petit lui, qui est malade, qui a un esprit qui a saccagé lui. À chaque fois, l'esprit ça prend, il jette la terre, il jette dans l'eau. Les jeter dans du feu pour les faire périr, c'est ça, oui.
Il dit là, oui, c'est papa qui a fait une description, qui a bâti témoignage, qui a raconté et misère, petit ça. Et Jésus m'a dit, depuis qu'il est ça, comme ça, il dit, dès son enfance, ça veut dire, c'est pour un petit bébé, c'est un gros jeune garçon qui l'a traversé étape bébé, enfantine, et pour passer enfance, et qu'il y a allé majeur, d'adouer, dans la position, dans la société, hein. Sont à l'école, de tous côtés, à préparer. Donc, c'est un mauvais esprit qui a maltraité. Et il paraît qu'il a cherché secours, il a besoin de guérison, mais façon, il formule les demandes, là, et ça fait que il manquait pas joindre une guérison pour petite là. Et autant dit, qui j'en dis, il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Ouais, c'est ça, la chercher, secours, la chercher. Mais j'en le formule, si pas, si fois ça seulement, fait que le manque pas joindre réponse. Si et tu peux, et ne pas employer bagaille comme ça à Dieu. Sous capable, ou pas qu'à dire bon Dieu ça, sous capable, parce que bon Dieu dit omnipotent. Alors dit ça, ou abaisser bon Dieu à l'homme, à nous-mêmes. C'est comme si j'en ai toujours dit, est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a fait ça? L'on fait ça en théologie, il a montré que ou tenter bon Dieu. Ou tenter, mon Dieu, parce que bon Dieu qui a fait toute bagaille. Et bon Dieu, pas d'accord, ça. Et c'est ça, Jésus fait là, ou est-ce possible, il dit, si tu peux, si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux, si tu es capable, c'est ce qui sont dit là. C'est ça, oui. Donc, on a besoin de prêcher à côté Jésus avec une conviction, avec une foi qui ferme, nette et claire. On n'a pas besoin de passer à côté, pas d'employer, veiller langage. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Sans complication, il faut qu'on croit. Et c'est laissé monsieur courir parce que ouais il a perdu et guérison petite lui a perdu délivrance là il dit je crois viens au secours de mon incrédulité ouais ça c'est l'évin décrit ça l'autre est-ce que mon Dieu capable son esprit d'incrédule ou pas comprendre mon Dieu. Pas comprendre, bon Dieu. Faut qu'on comprenne, bon Dieu. Faut qu'on comprenne, bon Dieu. Faut chier, bon côté, bon Dieu. Peut-être ou a souffri et bien longtemps. Et depuis enfance, ou a souffri. Depuis jeunesse, ou a souffri. Depuis entrer dans le lien, ça. Dans le mariage, ça. Depuis ou entrer dans le travail, ça. Ou a souffri. Depuis ou entrer dans le pays, ça. Ou a souffri. Ou content de monde qui de me regrette de venir dans l'Amérique. Regrette de voyager, regrette de quitter le travail, de quitter affaire Haïti. Et on souffre pour l'autre langage. La guerre, toute bagaille, dans la main le Seigneur. Avec confiance, avec conviction, et on pourrait ça venir changer. Nous pour aller dans la prière pour comprendre ça, pour joindre eh bien. Délivrance ou à chercher, eh bien, c'est pour faire, bon Dieu, confiance. Parce que Jésus va l'agir. Il dit dans le verset 25, Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit mien, sous, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Ouais, Jésus a le pouvoir, Jésus connaît qui est cet esprit ça et son esprit impur, son esprit muet, son esprit sourd qui emparait Timon. Il est sorti et puis pas entré encore.
Libre l'ordre. Et qui est-ce qui a parlé à quel esprit? Non. Et verset 26, il dit, il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Et Jésus, mais Jésus, l'ayant pris par la main, et le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, et ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne sort que par la prière. Donc, ouais, c'est ça que nous avons prière, oui. C'est vous-même, c'est vous venez avec conviction. C'est la prière. Donc, si vous avez prié longtemps, réviser qu'on y a confiance dans le bon Dieu, détermination dans le bon Dieu, qui j'en ai traité, qui mot ou employé pour le bon Dieu, qui j'en ai bon Dieu, est-ce que le bon Dieu, vous pensez bon Dieu, pas qu'à faire ça, ça trop ancien, ça trop Dieu, ça trop l'aide de bon Dieu, pas qu'à réparer, non, c'est créateur. Venez avec conviction devant mon Dieu, et puis vous pouvez, petit ou qui est en prison, petit ou qui est en drogue, mari ou qui a malgré tout, madame qui a malgré tout, problème dans le pays d'Haïti, problème à droite, à gauche, dans le travail, dans le mariage, dans tout, dans la santé qu'il a depuis longtemps, bon Dieu qui a changé, pas dit qu'il a trop longtemps, mon Dieu va capable. On va essayer l'autre bagaille. Non, dit bon Dieu capable. Bon Dieu capable. Et puis, on va s'arriver. Nous pouvons aller dans la prière. Seigneur, bon Dieu, nous sommes capables. Ou c'est Dieu omnipotent. Ou qui a fait toute bagaille. Ou est toute bagaille. Ou connaît toute bagaille. Ou pas changer. Nous voulons prendre ça. Nous voulons témoigner ça. Nous vivre. Nous voulons témoigner ça. Bah, toutes amies qui et puis un moment de prière ça pour qu'on ait ou pas changé ou qu'a fait toute bagaille ou qu'un pouvoir ou une provision ou qu'un tout bagaille et ou qu'une compassion ou qu'un sentiment de compassion d'amour au Seigneur nous prier pour tout le monde qui a souffert longtemps avec un problème Seigneur Dieu mauvais esprit a maltraité nous prier nous commander esprit ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parti au nom de Jésus, et pas entré encore, nous appliquer le sang de Jésus, nous cimenter toute entrée au pas, le sang de Jésus, pour mauvais esprit, ça ne va pas tourner encore, pour esprit incrédule, incrédulité, esprit mien sous impur, sorti, nous pas entrer encore, nous aspecter avec le sang de Jésus. Nous connaissons le pouvoir dans le sang de Jésus. Nous sommes capables de libérer tout le monde qui attend nos délivrances depuis longtemps. Nous connaissons qu'à faire ça, Seigneur. Il y a souri, il y a tant. Nous continuons. Nous disons merci, Seigneur. Merci, merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous réclamons victoire, guérison, libération, liberté pour tout le monde qui est en bas chaîne, souffrance, maladie, mauvais esprit, toute pression, toute maladie. Nous prions, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous comptons pour nous monter ensemble avec vous. Espérer ou continuer à faire bon Dieu confiance pour situation ou bien devant n'importe n'importe bon Dieu qu'a transformé. C'était Pasteur Loudas Saint-Virgin qui était là pour présenter au moment de prier ça et n'a pas courage de continuer à lire la parole, continuer à suivre la lecture que nous gagnons dans l'émission à travers la Bible et donc avec Madame Chinaud de Villejean. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.